La reine n'assistera pas au service royal Monday la semaine prochaine et sera plutôt représentée par le prince Charles et Camilla, a déclaré le palais de Buckingham. Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles prendront la place du monarque lors de l'événement à la chapelle Saint-Georges, à Windsor, jeudi prochain. Cela survient au milieu d'une inquiétude accrue pour la santé de la reine ces derniers mois. Le monarque distribue traditionnellement de l'argent Monday aux retraités au service. L'événement a été annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid. La reine a assisté pour la dernière fois au service en 2019, où elle a été rejointe par la princesse Eugénie. Le jeudi saint est une date importante dans le calendrier chrétien commémorant la dernière scène. C'est un jour très important pour le monarque qui a une forte foi chrétienne. Des inquiétudes ont été exprimées pour la santé de la reine en octobre dernier lorsqu'elle a passé une nuit à l'hôpital pour subir des tests et a reçu l'ordre des médecins de se reposer. En mars, elle s'est retirée du service du Commonwealth Day à l'abbaye de Westminster. Le monarque s'est également remis d'un épisode de Covid en février. La femme de 95 ans a fait preuve de détermination la semaine dernière alors qu'elle assistait à un service commémoratif pour le prince Philippe. La reine, qui a récemment parlé de problèmes de mobilité, a utilisé une canne et a été escortée par le prince Andrew. Point. La confirmation qu'elle serait présente n'est venue que 2 heures environ avant le début du service. La reine a pris la décision dans la matinée qu'elle serait en mesure de gérer l'engagement. Des dispositions particulières ont été mises en place pour son confort, le service étant limité à 40 minutes. Elle est entrée dans l'abbaye de Westminster en utilisant un itinéraire plus court plutôt que sa procession traditionnelle. Les caméras ont été tenues à distance tout au long de l'événement. La monarque n'a assisté qu'à un seul autre événement majeur avec le public depuis son séjour d'une nuit à l'hôpital l'année dernière.